Quels sont les vœux des décideurs du tourisme pour 2015 ? Tourmag leur a posé la question lors du cocktail de Noël des partenaires du SNAV et de l'APST. Ce que je souhaite avant tout, c'est que les agents de voyage aient beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, qu'ils aient plein de clients dans les agences, parce que ça, c'est le sang du tourisme, c'est le client. Le client doit passer d'abord par l'agence de voyage et après, tout ça, ce sera redistribué auprès de tous les fournisseurs, les tour opérateurs, les transporteurs, les hôteliers. Donc, ce que je souhaite, c'est beaucoup, beaucoup de clients dans les agences de voyage et des agents de voyage dynamiques qui aillent aussi à la recherche de leurs clients, qui sachent le convaincre, le séduire et le faire signer chez eux. Je souhaite à la profession vraiment une très bonne année. On a connu des moments un peu difficiles et je pense que là, 2015, ça pourrait être un cru pas mal. D'ailleurs, il faudrait se renseigner pour les vignes, quels sont les pronostics. On sent des signes prometteurs pour notre profession. Par contre, il ne faudrait pas qu'un nouveau désastre international ou géopolitique vienne tout compromettre. Mais bon, tout le monde est dans les starting blocks, les équipes sont motivées. On a tous besoin d'un bol d'oxygène, là, et de renouer avec le succès.